Je ne la y mets toujours pas, Jennifer se confie sur son rapport compliqué à son corps. Mercredi 27 novembre, Jennifer Bartoli a accordé un entretien à Femme Actuelle. La chanteuse de 42 ans s'est montrée très cash au moment d'évoquer son rapport à son corps, toujours difficile, malgré d'importants progrès depuis sa jeunesse. 22 ans après, elle a de nouveau foulé le plateau de la Star Academy. Samedi soir, Jennifer faisait partie des prestigieux invités du prime en hommage à Grégory Le Marchal, révélé comme elle grâce à sa victoire dans le télécrochet de TF1 saison 1 pour elle, saison 4 pour lui. L'occasion de se rappeler les bons, mais aussi les mauvais souvenirs de cette époque qui l'aura vu devenir l'une des plus grandes stars de la chanson française. Je me suis souvenu de mes copains, on est rentré à 16 dans ce château. Peut-être qu'au fond de moi, j'aurais bien aimé revivre le truc avec tous ceux de l'époque. J'ai repensé à Olivia Ruiz, aux grands moments d'émotion, aux très nombreux rires mais aussi aux petites larmiches a-t-elle confié à Télé 7 jours. Si les grands moments d'émotion ne seront pas de retour, celle qui avait 18 ans au moment de son arrivée au château de Damaril Ellis se souvient d'un aspect difficile. Je l'assume davantage. Interviewée par nos confrères de Femme Actuelle, Jennifer s'est en effet confiée sur son rapport avec son corps à l'époque, « Je me suis autorisée à dire non, parce qu'au départ, quand j'arrive à la Star AC, je n'ai pas vraiment de style défini. Je me noyais dans des vêtements, parce que je n'aimais pas trop mon corps » commence-t-elle. Un problème d'image dont elle ne s'est pas vraiment débarrassée avec les années. Je ne l'aime toujours pas aujourd'hui, mais ce n'est pas grave. Je l'assume davantage ajoute-t-elle. Adieu donc les grands vêtements très amples de l'époque, la maman de trois garçons affiche fièrement son physique dans des tenues qui le mettent en valeur. En tout cas, à une certaine époque, j'avais vraiment du mal. J'étais bourré de complexes. Donc, je faisais confiance à la personne qui se trouvait en face de moi et qui me disait mais ça te va bien, mais ça, et tout a-t-elle ajouté au sujet de son style. Des complexes pas disparus, mais passés au second plan ?